la défaite contre Bruges et hier soir contre Genk, ben, on se retrouve à dimanche devoir prendre un point. Je crois que ce point, après le match que j'ai vu hier, de 10 hommes contre 11 Genkois, j'ai pas le moindre doute que notre équipe va se donner à fond. Mais dimanche, il faudra que, pas uniquement l'équipe, mais tout le club va devoir être derrière notre équipe pour réussir à obtenir ce qui, à Anderlecht, n'est pas suffisant, cette deuxième place. Et d'avoir une chance, dans le futur, de jouer peut-être la Champions League quand même l'année prochaine. Et on peut être sûr que si on obtient cela dimanche prochain, et il faut absolument, avec le soutien de tout le monde, l'obtenir, et alors la saison suivante s'ouvre vers de nouvelles perspectives, et ces perspectives sont évidemment de nouveau être champions. Hein. On essaye de se renforcer, et le premier renfort qui a été signé, c'est Hani, le joueur qui est le soulier d'ébène, qui a marqué je ne sais pas combien de goals avec, avec Malines et qui est au fond la vedette de notre championnat cette année. N'oublions pas non plus le positif de cette saison. Le positif, c'est finalement, au début de saison, on avait un tirage au sort exécrable avec Tottenham et Monaco, et que finalement, dans des matchs fantastiques, on est parvenu avec cette équipe à nous qualifier pour le tour suivant. Nos jeunes ont réalisé quelque chose de fantastique. Deux années d'affilée, nous avons joué la demi-finale de la Youth League. Qui peut se dire ça? Je crois que par le passé, on n'a pas assez dialogué avec nos supporters. Je crois que ce dialogue commence tout doucement à se remettre en place. Et je crois aussi que les supporters doivent être plus près des joueurs. Les joueurs doivent pouvoir aller vers les supporters. Et c'est ces dernières années quelque chose que l'on a perdu de vue et que l'on ne fait plus. Ce n'est pas en étant négatif que l'on va solutionner les problèmes. Hein. Et que donc, tous ensemble, et c'est un leitmotiv que je n'utilise pas d'habitude, mais ici, c'est tous ensemble que nous parviendrons à dimanche obtenir cette deuxième place et de nouveau vers l'avenir, plus qu'espérer, être sûr que Anderlecht sera de nouveau champion.